الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق. À mon sens, il n'y a pas de conception de la famille dans le Coran. C'est-à-dire de conception de la famille comme une espèce de noyau réduit qui se réduirait à papa, maman, les enfants et éventuellement le serviteur. La conception de la famille coranique est beaucoup plus large. D'ailleurs, le Coran parle de shu'ub et de qaba'il, c'est-à-dire de tribus. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans cette notion de tribu, qaba'il, c'est que c'est la même racine que le mot qabala, qabila, c'est-à-dire faire face. Donc il y a la notion tribale, une notion de transmission. La qabila, c'est l'ensemble, non pas familial ou familial au sens large, si on veut, de personnes qui ont quelque chose à transmettre à leur successeur. Et ces qabail, ces tribus au sens large, sont effectivement pas le propre du monde arabe exclusivement, on retrouve ça, je dirais, de façon générale dans le monde sémite. Ce sont elles qui véhiculent vraiment les valeurs familiales, c'est-à-dire ce sont les valeurs qui font le tronc commun de toute la tribu au sens large et qui se retrouvent pas dans une seule tribu, mais dans un tas de tribus. Et donc il n'y a pas, encore une fois, cette notion de famille restreinte, enfin la famille restreinte individualisée, je dirais, où on a deux, trois personnes qui la composent, sorties de ce monde-là, ben la famille est disloquée. C'est pas du tout coranique. Donc j'ai du mal à parler de la famille telle qu'on le conçoit, je dirais, en Europe, ou en tout cas dans une chrétienté postérieure à une certaine époque. On ne peut pas établir une comparaison stricto sensu entre ces deux modes de famille. La famille sémite, la famille arabe et la famille islamique, donc, hein, puisque de toute façon, au départ, initialement, le Coran a été révélé en arabe à des Arabes, même si après c'est devenu une religion universelle qui a été adoptée par énormément de populations diverses. Mais c'est d'abord un fondement tribal. Et quand je dis tribal, c'est pas forcément péjoratif, c'est-à-dire qu'on a beaucoup décrié le tribalisme, hein, pour des raisons évidentes. D'ailleurs, le prophète lui-même a combattu le tribalisme. La véritable tribu, c'est pas celle qui cherche à échapper à la loi, c'est celle qui transmet les valeurs authentiques de l'islam, hein, qui inclut d'ailleurs certaines valeurs qui étaient déjà celles des anciens arabes, qui inclut ces valeurs pour les transmettre avec un maximum d'honnêteté et d'intégrité. Donc, pour moi, c'est ça, enfin, pour moi, ce que je vois dans le Coran comme définition de la famille, c'est la famille élargie. C'est une, encore une fois, c'est une famille élargie qui transmet des valeurs. Voilà. Et d'ailleurs, le prophète lui-même dit à plusieurs reprises, Inna babu'istu li utammima makarim al-akhlaq. On ne m'a envoyé que pour parachever la noblesse de mœurs. Donc c'est bien cette idée que la mission du prophète est de transmettre des valeurs, que ces valeurs vont être transmises par un vecteur fondamental qui est la famille, et non pas une famille, encore une fois, restreinte, mais une famille tribale, c'est-à-dire une famille élargie. Il faut savoir qu'il y avait une hiérarchie très stricte familiale, hein, chez les anciens arabes, qui a été reprise en partie par l'islam. C'est-à-dire, par exemple, bon, on sait qu'il y a le père, évidemment, qui joue un rôle majeur, il y a le grand-père qui joue aussi un rôle majeur, il y a l'oncle, l'âme, qui joue un rôle majeur. Et donc, toute cette hiérarchie de père spirituel, si on peut dire, au sein de la tribu, va être reprise dans l'islam à travers les héritages. C'est-à-dire que les héritages vont être répartis entre les membres de la famille conformément à cette espèce de code tribal qui donnait la suprématie d'abord au père, puis au grand-père, puis à l'oncle paternel, puis à ceci, puis à cela. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de réappropriation par l'islam de certaines valeurs arabes, hein, dont cette valeur tribale, hein, qui a été incluse d'une certaine manière, mais en étant épurée. D'ailleurs, le prophète disait dans ce sens, Ansur Akhak, Zaliman ou Mazlouman, donne le soutien ton frère, qu'il soit oppresseur ou oppressé. Alors les compagnons sont étonnés en disant, bon, mais s'il est oppressé, on comprend, mais s'il est oppresseur, et le prophète a répondu, en aidant à s'amender. En aidant à s'amender, c'est comme ça que tu vas soutenir ton frère quand il est oppresseur, c'est-à-dire
en le réprimandant, en essayant de le faire revenir à la raison. C'est la façon de soutenir ton frère. Donc c'est plus la définition de la tribu au mauvais sens du terme, c'est-à-dire on prend le parti de son frère, quel que soit le prix à payer, mais c'est la belle définition, je dirais, de la tribu, où il y a des valeurs communes qui sont partagées par un très vaste ensemble familial, qui sont transmises de génération en génération à un autre vaste ensemble familial. Ah ben, la mère est fondamentale. De toute façon, le prophète dit très clairement « Jannatu tahta aqdam al-ummahat » Le paradis se trouve au pied des mères. Et quand il y a un compagnon qui a demandé « Ya Rasulallah man abar » envoyé de Dieu, à qui dois-je témoigner ma piété filiale ?» Il lui a dit « Ummak, ta mère ». Il lui a dit « Summaman » et puis ensuite « je dois témoigner cette piété à qui ?» Il a dit « Ummak ».« Summaman » et à qui encore ?« Ummak ». Ummak summa abak. Donc, trois fois, il a placé la mère en avant, et après, il a dit le père. Donc, on voit bien que la mère joue un rôle absolument fondamental, puisque la mère... Alors, il y a toujours cette idée un petit peu véhiculée par un certain orientalisme qui n'est pas toujours amène vis-à-vis de l'islam, que la femme n'a aucun rôle, qu'elle est... Ce qui est bien entendu faux. Mais non seulement c'est faux, mais la mère... C'est à elle qu'incombe le rôle fondamental de l'éducation des enfants. Ça a toujours été chose acquise dans l'islam, et je crois que ça, c'est pas une valeur spécifiquement islamique. Je pense que dans beaucoup de civilisations traditionnelles, anciennes, c'est à la mère qu'incombait ce rôle d'éducation, de tarbiya, et c'est pour ça, du reste, que le prophète la place sur ce piédestal en disant c'est d'abord ta mère qu'il faut vénérer, puis ensuite ta mère, et puis ensuite ta mère, et enfin ton père. Écoutez, moi je ne sais pas si elle a fait le bon choix ou pas, elle est libre de faire le choix qu'elle veut. Moi ce que je sais, c'est que je peux répondre qu'en me plaçant sur un terrain strictement personnel. Moi j'ai une femme qui avait été, qui était vraiment dans la vie, hein, bon, puis qui s'est rapprochée de sa religion d'origine, à savoir l'islam. Du jour où elle a eu ses enfants, elle a beaucoup plus eu à cœur de s'occuper de ses enfants que de retourner à son travail, à son ex-travail, secrétaire de direction, voilà, bon, je crois que c'est un choix. Après, on peut faire des bons choix, on peut en faire des mauvais, mais si vous me posez la question à moi de savoir est-ce que c'était un bon choix, je dis oui, c'est un bon choix. J'ai nettement préféré qu'elle prenne à cœur et en charge l'éducation de ses enfants, ce qu'elle a très bien fait d'ailleurs, je tiens à le dire, et je pense que si effectivement elle avait été... préoccupée par sa carrière ou par son devenir dans des conditions X ou Y, il est possible que l'éducation des enfants en ait pâti, en fait c'est même certain. Donc vous me demandez, est-ce que c'est un bon... Je dirais oui, il y a une logique évidente à soutenir que le fait pour une femme de s'occuper de ses enfants est un bon... Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs, beaucoup de gens interprètent ça comme une espèce d'infantilisation de la femme, en disant oui, mais alors vous dites, elle a pas les je ne dis pas qu'elle n'a pas les compétences, je dis on ne peut pas s'occuper de tout à la fois. Donc effectivement, une femme qui va s'occuper de sa carrière, ben, elle va amputer l'éducation de ses enfants. Une femme qui va s'occuper des enfants, ben, elle va amputer sa carrière, c'est tout. Après, c'est un choix. Si des gens préfèrent leur carrière à leurs gosses, libre à eux. Hein. Moi, personnellement, je préfère mes gosses à ma carrière. Même en étant homme, je peux le dire, donc a fortiori, en étant femme, il me semble que je serais en droit de le dire. Écoutez, je ne sais pas si je suis assez compétent pour parler de l'avenir de l'ensemble du monde, mais ce qui me paraît évident, c'est qu'on est dans des sociétés de plus en plus individualisées, de plus en plus atomisées, où chacun en définitive se préoccupe de son propre sort en se désintéressant du sort du voisin. Alors ça peut même être vrai intramuros, à l'intérieur des murs, c'est-à-dire entre les membres d'une même famille. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui on assiste à une espèce d'éclatement du lien familial qui fait que le frère se soucie plus de son frère, le père de son fils, le fils de sa mère. Ben, et ça donne des individus qui sont sous un même toit, qui vivent sous un même toit, mais qui ressemblent à des électrons libres les uns par rapport aux autres, et dont les liens réels sont complètement relâchés. Alors c'est provoqué par quoi? Par énormément de choses, par un type d'éducation, par la télé qu'on regarde en bouffant, et qui vous absorbe complètement, alors qu'autrefois, bon, du simple fait effectivement qu'il n'y avait pas ces moyens de communication, les gens parlaient entre eux, racontaient leur journée, où il y avait le grand-père qui avait une histoire un petit peu antique et solennelle à raconter, mais qui pouvait captiver tout le monde. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Hein,
Le vieux, il est sur sa chaise, on attend juste qu'il ait digéré pour aller le coucher. La mère, ben, elle est captivée par sa série télé parce que, il y a une bonne femme qui passe et qui est en train de chercher comment perdre ses rondeurs, et ça l'intéresse parce qu'elle a 40 ans, elle se dit, oulala, il est temps de rattraper le temps perdu. Bref, ça donne des gens qui sont un petit peu décervelés, hein, il faut bien le dire. Et ce qu'on nous propose comme des modèles de civilisation, finalement, c'est des modèles de décérébralisation, si je peux m'exprimer ainsi. Mais bon, après tout, chacun a le modèle qu'il mérite, je pense. Bah, écoutez, la famille, c'est ce que je disais un petit peu en commençant cet exposé. La famille n'a pas toujours reposé uniquement sur cette espèce de lien restreint qui était la filiation pure et simple, papa-maman le fils ou papa-maman la fille. Ça a pu être des liens beaucoup plus vastes, puisqu'on l'a dit par exemple dans les populations sémites, c'était un lien tribal. Il y a même eu des civilisations où c'était des liens d'une autre nature. Enfin, on pouvait faire partie de la famille sans être forcément. Sans avoir forcément des liens du sang. Et là, ça supposait une espèce d'identité de vue, une espèce de communion entre les divers membres de la famille, qui à ce moment-là devenait plus une famille par l'esprit qu'une famille par la chair. On retrouve même cette idée d'ailleurs d'une certaine manière dans le monde arabe, puisque dans la langue arabe, il y a un mot qui est le mot mustarab, qui veut dire arabisé, et qui montre qu'on arrivait à s'intégrer à la tribu arabe, même si au départ on n'était pas arabe. Et ce qui est assez symptomatique, c'est que les prophètes Abraham et Ismaël, qui sont les pères en quelque sorte du monothéisme, hein, sont eux-mêmes, enfin pas Abraham, puisqu'évidemment Sidna Ibrahim ne fait pas partie des Arabes, mais son fils Ismaël, qui est considéré comme le père des Arabes, el-Mustaraba, le père des Arabes arabisés, fait partie de ces gens qui ont adhéré à l'idée d'arabité. Sans en faire partie par la chair et par le sang. Et ça, je pense, c'est une réalité qui est tout à fait envisageable, je veux dire, y compris dans des civilisations comme la nôtre qui sont un peu en déliquescence. Mais il faudrait trouver ce qui peut constituer un ciment familial en dépit ou en dehors des liens du sang proprement dit. Alors ça reste à inventer. Moi, je lis pas dans le marc de café, je sais pas quelle tournure ça pourrait prendre, mais on peut toujours envisager que la chose se passe. Hein. En islam, il y a séparation de biens, c'est-à-dire que les biens de l'époux restent à l'époux, les biens de l'épouse restent à l'épouse. Ça, c'est une norme, et c'est une norme qui est salutaire, parce qu'on peut très bien envisager le cas d'une femme, par exemple, qui a du bien au départ, hein, et si elle se marie sous la communauté de biens, ça veut dire que tous ses biens, du simple fait de son mariage, appartiennent à son mari. En islam, c'est pas le cas. La séparation de biens, c'est la norme. Si elle arrive à être milliardaire et que lui est charbonnier, elle garde ses milliards et lui garde son charbon, c'est clair. Donc ça, c'est un aspect de la chose. Autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la séparation de biens va de pair avec le fait que la femme garde son autonomie, je dirais, individuelle. Pourquoi? Parce qu'elle garde son nom. La femme est affiliée à sa tribu, pour rebondir sur la question de la famille à laquelle on faisait allusion tout à l'heure, la femme garde son nom. Ce qui est aujourd'hui est considéré comme un acquis social récent en Europe est un acquis fondamental ancien dans l'islam. La femme a toujours conservé son nom, elle ne portait pas le nom de son mari, parce qu'elle est affiliée à sa tribu, et non pas à la tribu de son mari. Donc ça, c'est un autre aspect de la question. Donc elle conserve à la fois son identité, elle conserve ses biens, de même que l'homme conserve son identité et ses biens. La femme dans la société traditionnelle n'est jamais perdue. Une femme qui est répudiée par son mari revient automatiquement soit chez ses parents, soit chez ses oncles, soit chez ses frères. Elle n'est pas laissée à l'abandon. Ensuite, le Coran incite toujours au matar, le matar, mattiruhunna, c'est-à-dire faites-leur un cadeau de départ. Donc c'est une recommandation qui est faite même en cas de répudiation, qui est la marque d'un échec, c'est-à-dire de l'aveu, d'une incapacité à vivre ensemble, ce qui peut se produire aussi bien chez des couples musulmans que non musulmans. Mais dans ce cas-là, la recommandation est faite par le Coran à l'époux
de consentir à l'épouse un cadeau qui peut être éventuellement, s'il a les moyens, parce qu'encore faut-il qu'il ait les moyens, mais une certaine somme d'argent qui lui permette de voir venir sur le moyen terme. Donc ça, c'est pas non plus interdit. C'est pas parce que il y a divorce que forcément il y a insulte et qu'on doit se balancer des assiettes à la tête. Et ça, l'islam l'a bien compris, a bien insisté là-dessus. D'ailleurs, il le dit: wala tansabul fadla baynakum. N'oubliez pas les faveurs que vous êtes consenties mutuellement dans le passé. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes arrivé à une impasse que vous devez oublier les bons moments que vous avez vécu ensemble. Vous n'avez pas vécu que des mauvais moments. Ça n'a pas toujours été tout noir. Bon, ben, dans une vie de couple, hein, il y a du noir, il y a du rose, il y a du gris, il y a toute la palette, hein. Il y a parfois du blanc, mais il y a de tout. Voilà. Donc le Coran incite bien les époux à méditer tout ça. Ton fils, c'est celui qui, avec toi, a des valeurs communes. Et ça, c'est une idée civilisationnelle qui existe pas uniquement dans l'islam. Dans toutes les civilisations, on trouve quelque chose d'analogue. Soit la famille, ce sont les gens qui ont des valeurs communes indépendamment ou grâce au lien du sang, soit ce sont des gens qui n'ont pas de valeurs communes et c'est plus de la famille. Et ce qu'il y a d'assez caractéristique justement dans la mentalité moderne, c'est qu'on a réduit la famille, encore une fois, on a auto-atomisé à quelques membres, hein, papa, maman, comme disait l'autre, la bonne et moi, mais au final, tous ces gens-là n'ont rien en commun. Quand on voit le saut d'une génération à l'autre, on s'aperçoit qu'ils ont pratiquement plus de valeurs communes. C'est-à-dire qu'en l'espace de 30 ou 40 ans, l'évolution des mœurs est telle qu'entre ce que pensent le grand-père, le père et le fils, on voit pratiquement plus le lien précisément qui existe entre eux. Donc si ce lien, je dirais, spirituel, intellectuel, n'existe plus, comment veut-on que le lien par le sang puisse s'y substituer? C'est pas possible. Ça prouve bien que le sang suffit pas. Le sang doit forcément être accompagné de valeurs. Sans les valeurs, le sang n'est rien. Sans les valeurs, le sang n'est rien. Et ça, le prophète aussi, l'avait bien senti, hein, quand il a commencé le début de la révélation et qu'il a réuni pour la première fois les Quraychites pour leur dire: je vous avertis que j'ai devant moi un châtiment douloureux. Hein, quel était le premier à avoir réagi de façon négative? Ça a été son oncle Abou Lahab, qui lui a dit: Tabban laka ya Muhammad Ali Haz Jama'atana. Malheur à toi, Mohammed, c'est pour ça que tu nous as réunis, pour nous dire que tu nous menaçais d'un châtiment douloureux. Et le prophète a dit: sachez bien, Quraychite, sachez bien, Bani Muttalib, sachez bien. Donc il a nommé les membres de sa famille, les tribus proches et lointaines: La urni ankum min Allahi shay'an. Je ne pourrai rien en votre faveur contre Dieu, c'est pas possible. Soit vous êtes avec moi en tant que famille, mais parce que nous sommes réunis sous la tutelle divine, en quelque sorte, soit vous êtes contre Dieu, et à ce moment-là, moi, je ne peux rien pour vous. Même si vous êtes mon oncle, même si vous êtes ma fille, même si vous êtes mon père, sachez bien que je ne pourrai rien pour vous. Donc ça montre bien que le lien de valeur, hein, en quelque sorte, est plus important que le lien du sang. Mais évidemment, s'il y a les deux, on peut dire c'est le top. Hein. D'ailleurs, c'est cette idée qui a été véhiculée dans l'islam par la notion de sharaf, d'honneur. D'honneur qui est l'honneur que l'on prête à la descendance du prophète, à Ahl Bayt, qui incarne en quelque sorte ces valeurs apportées et défendues par le prophète, et qui ont été perpétuées en partie, et souvent en grande partie, par sa famille, parce que justement, il y avait à la fois cet héritage charnel, et puis cet héritage spirituel que souvent les Ahl Bayt, la famille du prophète, a réussi à combiner. Alors ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que de toute façon aujourd'hui effectivement si on doit reconstituer une famille en quelque sorte, hein, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup de famille reconstituée, c'est pas tant une famille au sens charnel, hein, qu'une famille de pensée, une famille d'esprit. Et je crois qu'aujourd'hui effectivement vu la vague d'athéisme, vu la vague de laïcité, qui est une véritable machine de guerre parfois contre les religions auxquelles on est confronté, je pense qu'on a intérêt à se souder parfois pour pouvoir traverser la tempête en toute sérénité, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, on a intérêt, entre croyants qui partageons des vues à peu près communes, à se regrouper tout simplement pour faire face à un environnement qui n'est pas toujours favorable et qui n'est pas toujours positif. Ce seraient des regroupements d'affinités spirituelles homogènes, c'est-à-dire que des musulmans entre eux, ou on pourrait envisager des regroupements qui aillent au-delà justement de la seule appartenance à la même religion?
Écoutez, moi j'ai vécu quand même suffisamment longtemps au Moyen-Orient, dans un pays qui aujourd'hui a été complètement détruit, enfin pas complètement, mais en grande partie détruit par une coalition de... J'ose pas dire quoi, parce que je vais... mais en tout cas de gens malveillants, de puissances malveillantes, qui était la Syrie. Et il n'y avait pas de mésentente entre les divers... entre les diverses factions que constituaient les chrétiens, ou les chiites, ou les sunnites, tous les... ça n'existait pas. Enfin, moi je me souviens avoir eu de très bons rapports avec certains voisins qui étaient des chrétiens. Alors, je ne dis pas que ce n'était pas l'œcuménisme ou le... Enfin, cette espèce de bisounours qui voudrait faire que toutes les religions s'embrassent matin et soir, non, ça n'existait pas. Ce serait faux, puis ce serait stupide, parce qu'il n'y a pas de raison, en fait, pour que ça se passe comme ça. Mais ce qui était vrai, en revanche, c'est qu'il y avait une entente à minima sur des valeurs communes, malgré tout. Enfin, je veux dire, je pensais pas, quand on croisait des chrétiens ou des chiites, ou « Ah, oh, tiens, ce sont des chrétiens, attends, ce sont des chiites », non, c'était des... C'était des Syriens qui avaient la plupart des valeurs communes, voilà, après, bien entendu, il pouvait y avoir des divergences, c'est bien clair, hein, il ne s'agit pas de voiler les divergences, mais ce n'étaient pas des divergences telles qu'on se sentait obligé d'en venir aux mains ou d'en découdre. Hein. Moi, personnellement, je n'ai pas vécu ça, je n'ai pas vu ça, et je pense que c'est reconductible à condition d'avoir affaire à des hommes, encore une fois, de bonne volonté. Hein. Mais... Aujourd'hui, les hommes de bonne volonté se font rares. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible.